Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière étant donné que ce sera une vidéo de remerciement pour la 5e vidéo que j'ai mis en ligne sur YouTube. Enfin, elle arrivera un peu en décalé parce que j'ai été un peu surpris par le nombre de vidéos que j'ai mis en ligne dernièrement. Et donc on se retrouve sur le jeu World of Warship à cette occasion. A savoir que là, quand vous verrez cette vidéo, l'événement d'avril, enfin du 1er au 12 avril sera terminé. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec ces petits navires. D'ailleurs, on va faire une partie avec, ça sera... On va faire une partie avec, on va s'amuser un croiseur. Attendez, qu'est-ce... On va juste regarder les bonus qu'ils ont, également. On va faire une petite partie avec, comme ça... D'accord, c'est la vitesse, lui... Pokéboat. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Artillerie. Ça, c'est intéressant. Allez, on va partir en partie avec ça. Donc 500 vidéos. Ce qui fait... À base, cette vidéo aurait dû être à plusieurs, mais j'avais fait une vidéo, mais elle était regardable pour vous. Même sous quelqu'un Rainbow Six Siege, mais cette fois-ci sur StarCraft 2. Quand j'ai filmé, j'avais bien 30 images par seconde. Quand j'ai regardé la vidéo, il m'en manquait à moitié. Ne me demandez pas d'où ça vient. C'est-à-dire deux jeux où j'ai eu le problème. Donc voilà, je préfère vous le dire d'avance. On aurait dû être en trio, j'avais fait une vidéo assez intéressante, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, 500 vidéos en tout cas, ça fait un sacré nombre. Ça fait un sacré nombre de vidéos. Au début quand j'ai commencé, je pensais pas en faire autant en aussi peu de temps. En 4 ans, il y a des poussières. Attendez, non, en 5 ans et des poussières, je crois. Non, en 2016. Non, en 4 ans et plus, je suis arrivé à ça. Ce qui est monumental, je dois dire. Mais vraiment, je sais pas quoi dire à part que moi, quand j'ai vu que j'ai passé la barre des 500 vidéos, sachant qu'il y a certaines vidéos qui sont privées. Que vous verrez pas étant que c'était vidéo pour des amis ou pour des occasions particulières, présente pas forcément tout. Donc je crois qu'il y a 3 vidéos en plus qui ne vous concernent pas, donc je vais être un peu en moins de 300, mais ça fait énormément de choses quoi. Écoutez-moi ces tirs, c'est trop marrant. Ouais, bouton de champagne, feu! Est-ce qu'en face il y a des. Et vous. À part merci, quoi, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Ça montre que mon travail plaît, quoi, d'une certaine manière. Ça montre que je fais pas quelque chose d'inutile. Que ça vous plaît vraiment, et ça fait toujours chaud au cœur de se rendre compte qu'on fait quelque chose qui attire du monde, qui leur font plaisir, que les gens passent un bon moment avec nous. Ah, c'est trop tourné. Ça arrive. Donc, un grand merci à vous tous. Vous êtes vraiment quand même une communauté très agréable et je vous remercie d'être toujours autant de personnes à me suivre. C'est. J'espère pouvoir continuer un moment, hein, bien évidemment, je vous rassure. Je crois à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je crois qu'il y a 327 abonnés. On a vu au moment où je tourne la vidéo et au moment où il va être publié, il y aura sûrement un changement. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui, j'ai une réclamation, ils me disent tu pourrais pas mettre plus de vidéos en ligne. J'en mets déjà pas mal par semaine, je trouve.
Alors en plus en rajouter, en faire encore plus, moi je vous dis non, c'est. Je suis un rythme quand même assez soutenu, je trouve, dans mes publications vidéo. Putain, il m'a fait peur. Donc non, ça sera niet, il y aura. J'essaie toujours de vous fournir le plus de contenu de qualité. Le problème, c'est que je ne vais pas vous fournir plein de vidéos et de la qualité en même temps. Il faut comprendre que c'est contre-productif de faire plein de vidéos de mauvaise qualité. Par exemple, là, je viens de sortir de. J'ai fait en tout deux tournages de 4 heures. Enfin, là, je viens de sortir d'un tournage de 2h30. Parce que j'avais. Justement, trois vidéos qui allaient pas, et c'était des vidéos d'une heure, deux vidéos d'une heure, une vidéo d'une demi-heure, sans compter plus que l'autre vidéo d'une heure qui est la seule qui convient. On va, faut vous dire que ça prend quand même énormément de temps. Et ça, c'est que tourner, sans compter que sur certaines vidéos, il y a des préparatifs en plus, tout ça. Donc, faut pas oublier tout ça. Donc pour ceux qui veulent plus de vidéos, j'essaie toujours de vous fournir le plus de vidéos que je peux. C'est rien que je lance une torpille sans trop loin. Donc ça sera non. J'essaie toujours de vous contenter, de vous proposer des bons jeux. Mais il y a une limite que je peux. Il y a une limite de possibilité de ma part. J'espère que vous comprendrez. Malgré cela, bon, à part certaines personnes, parce que voilà, y a des personnes qui s'abonnent et je regarde peu de temps après, ils se désabonnent. Là, c'est ça pour toi. Enfin, on est tous les deux aussi responsables. Y a des personnes qui s'abonnent et 3 jours après, je vois qu'ils se sont désabonnés. C'est justement pour ça que je fais cette mise au point. Si vous appréciez mon travail, il faut aussi comprendre que si vous voulez un travail de qualité, il faut nous laisser le temps de faire la vidéo, quoi. On ne peut pas vous faire une vidéo comme ça. Vous n'avez pas totalement tort, mes vidéos sont pas forcément les plus préparées au monde. Parce que c'est des jeux, à majorité des jeux que je vous filme, c'est des jeux que je connais très bien. Donc ça me permet de gagner un peu en entraînement. Cependant, je m'entraîne quand même un peu dessus. Même si je connais très bien le jeu et que je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche, parce que la stratégie, j'ai travaillé, retravaillé, re-retravaillé tellement de fois ce que je me plaisais. Voilà. Mais après, il y a tout ce qui est montage, il y a tout ce qui est s'assurer qu'on n'a pas dit de conneries, s'assurer que la vidéo est regardable. Et tout ça, ben, ça prend un certain temps, quoi. C'est. Après, bon, je peux comprendre que les gens se repressent pas forcément. Autour de personnes, ils se repressent pas qu'on fasse du travail. Bon, après, c'est hors souci. Ensuite, pour ceux qui se plaignent des publicités, j'en mets pas au milieu de mes vidéos. Donc, je vois pas pourquoi vous pouvez vous plaindre. Il y en a qu'en début, enfin, une petite bande en bas. Comme toujours, je vous rappelle que les publicités ne sont pas là pour me rémunérer, elles sont là pour avoir un peu d'argent pour vous acheter du contenu. Tandis que j'ai toujours payé 70 €, j'ai toujours eu aucun versant de la part de YouTube. Donc j'ai toujours pas pu vous proposer quelque chose en rapport avec ça. Mais en soi, la pub c'est pour vous. Vous voulez pas. Vous voulez mettre AdBlock? Moi ça me dérange pas. Je ne voudrais pas de YouTube, ça me surprendrait que je vive de YouTube. Donc très bien, vous mettez AdBlock, vous aurez du contenu en moins. Ah. De manière générale, c'est pas des jeux ultra récents que je filme. Quelques exceptions faites. Hein, Il y a toujours des exceptions, bien évidemment, aux règles quand on filme un jeu. Par exemple, là, prochainement, Battlefield Gothic Armada, vous aurez peut-être un walkthrough dessus quand il sortira le jeu. Mais encore une fois, c'est à voir. Hein. Mort. Je suis un peu KS mais c'est pas grave. Je vous rappelle que le but du jeu c'est de sortir le plus vite possible un navire ennemi pour s'enlever ses canons.
Normalement j'aurais passé à gâche E vu comme il est anglais. Quoique. Non, il va pas passer au-dessus mes tirs. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je préférais vous le dire d'avance. J'essaie de vous faire toujours des jeux intéressants. Je pense pas que ce soit des mauvais jeux que je vous filme. Pour Supreme Commander, vous aurez Supreme Commander 1, Supreme Commander Forked Alliance qui est en cours. Je suis en train de le filmer. Et vous aurez également Supreme Commander 2 qui est le moins bien de la saga, je vous le dis totalement. Pour moi, c'est une déception absolue. Mais l'histoire, voilà, si on accepte... Ok, c'est un sacrifice sur ma torpille. Si on accepte le fait que le gameplay est pourri... Je sais ça. Enfin, pas pourri, mais vous avez un gameplay en Supreme Commander 1 qui est extraordinaire. Dans Supreme Commander 2, on vous le supprime. Voilà. Vous savez ce que j'en pense. Allez, on a fait ce navire-là. Il y a quoi comme élément, lui? Torpille, on s'en fiche, torpille. Par contre, ce qui est bien avec cette mission-là, pour ceux qui ont World of Warship et qui en ont profité, c'est que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez. Attendez. Je peux faire autant de fois que je veux, normalement. À moins qu'ils aient corrigé. Pogboat. Pogboat, c'est ça que j'avais avant. Ouais, ça, en gros, vous prenez vos navires, vous faites ça plein de fois, vous gagnez 50 000 de crédit à la fin et des pavillons. Et comme ça, vous faites du pognon assez facilement. Mais on va se faire comme une petite partie normale. J'ai involontairement... J'ai pas fait gaffe que j'avais pas pris mon navire. J'ai mis ce clic, je vais prendre le corps. Ouais, j'ai eu le smoke. Juste pavillon A, moi sans risque. Ok. Pour Supreme Commander 2, en fait, le gameplay, vous le verrez quand je filmerai, vous vous rendrez compte du gameplay. Il y a des bonnes idées. En fait, ils auraient mélangé Supreme Commander Forged Alliance et Supreme Commander 2, ils auraient fait un truc exceptionnel. Mais ils l'ont pas fait, donc ils ont fait une grosse bouse. Voilà. Ça, c'est dit. Avis personnel, bien évidemment. Mais je crois que tous les fans de la série de Supreme Commander qui ont découvert depuis le début continuent à jouer à Forgotten Alliance, mais ont arrêté Supreme Commander 2. Je crois que ça part de lui-même, ça. Quand la communauté délaisse la suite d'un jeu, voilà. Et ce qui est dur, en fait, quand on fait un très bon jeu, c'est que généralement le deuxième opus est souvent le plus dur à faire, parce que c'est vraiment ça le plus critiqué. Le 3ème, 4ème, finalement ils arrivent à recerner vraiment ce qu'ils faisaient, le centre de leur jeu, ça va. Forgotten Alliance étant la suite directe de Supreme Commander 1, c'est passé tout seul. Ils ont corrigé, il y a eu quelques soucis quand même que je vous présente de temps en temps dans les vidéos. Mais voilà, le jeu reste bon. On fait avec, mais c'est vrai que Supreme Commander 2 est une énormité dans le jargon, et de toute façon c'est vu que le studio a disparu après, enfin soit qui à la base de Supreme Commander a totalement pété les plombs entre guillemets, il a totalement abandonné le projet, etc. Bon ou mauvaise idée, moi j'en suis qu'ils ont que ceux qui a récupéré cette licence a une licence ultra bonne derrière. Je sais pas qui a une licence actuellement, donc je vais pas m'avancer dessus. En tout cas, la personne qui a récupéré la licence a la possibilité de faire quelque chose en or. Et s'ils arrivent à mélanger Supreme Commander 1 et Supreme Commander 2, Supreme Commander Forgotten Alliance, Supreme Commander 2, on pourrait avoir quelque chose d'exceptionnel. Je vais dire un truc tout bête, par exemple, ils ont rajouté l'histoire de tech, de technologie, donc 2, pour justement éviter que certaines unités de début de partie ne soient plus utiles. Excellente idée! Pour les unités tech 1, tech 2, c'est génial, comme ça vous faites en sorte que les unités gagnent en tech et après se disponibles aussi en tech 3, sur l'équivalent des tech 3, c'était génial.
Ils ont voulu faire un gameplay plus nerveux, pourquoi pas, mais ce qui faisait le charme à la base de Spelunker, c'était un gameplay lent. Vous pouviez all-in, voilà, faire une partie en moins de 30 minutes, c'est tout à fait faisable, mais vous pouviez faire une partie d'une heure, deux heures. C'est ça qui est agréable, donc vous avez toujours de l'action. Là, vu que maintenant c'est un système de ressources bateau, c'est dommage. Et le système de texte, ce qui est dérangeant, c'est simple. Vous avez plus que... Vous débloquez des unités, vous débloquez des améliorations pour certaines unités, etc. Bon, puis une amélioration, vous allez vous débloquer à toutes vos unités terrestres. Maintenant, toutes vos unités qui ont déjà un bouclier, ils augmentent par exemple de 25% leur vie ou de 50% leur bouclier. Et toutes les unités qui n'avaient pas de bouclier gagnent un bouclier. Vous voyez, comme ça, même les unités de base, elles auront maintenant un bouclier qui rendront plus efficaces. Par exemple, toutes les unités de tech 1 gagnent une amélioration anti-aérienne. Par exemple, pour toutes les unités de tech 1 gagnent un bouclier de 200 PV, 2000 PV, les unités de tech 2 de 500 PV, les unités de tech 3 n'en gagnent pas, excepté ceux qui en ont déjà un qui gagnent par exemple 200 PV de plus dessus. Ou par exemple, en régénération des boucliers, ou. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui étaient possibles de faire et de combiner les deux, qu'ils n'ont pas fait, qui font que le jeu est une catastrophe monumentale. Et que je préfère le dire tout de suite, je vous filmerai, mais l'achetez pas. Ce n'est pas un jeu à acheter, Supreme Commander 2. C'est même un jeu à éviter à avoir. Ouais. Après, pour ceux qui aiment le gameplay, je veux dire oui, mais pour ceux qui adorent Supreme Commander 1, ne prenez le pack 2. Prenez Fork of Talents à rigueur, parce qu'il est excellent, mais prenez pas le 1. Genre de tirer à la P vu comment il est orienté le Myoka, donc c'est une erreur de ma part. L'IP va sûrement tourner. Donc voilà, là je vous ai donné vraiment mon avis dessus. Alors, comme prochain walkthrough, j'envisage beaucoup le jeu Battlefield Gothic Armada. Pour moi, il y a du potentiel ce jeu, il y a vraiment énormément de potentiel. Si je me démerde bien en une salle, je peux que sortir. En deux salles, je pourrais que sortir. Il tire cache, lui, par contre, c'est une énormité. Ah, il y a des tubes en storpie. En fiche, j'ai dû tirer mes tubes en storpie. J'ai goûté encore une fois Citadel. Pas bon. Pas. Donc, Battlefield Gothic Armada, un jeu de combat spatial avec une campagne prometteur sur l'univers de 40k. Voilà. Ah, j'ai bien visé. Il faut que je sorte, je sors, les gars. Pas sorti. Merci. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Ben, Supreme Commander Fork of Talents, Supreme Commander 2. C'est vrai que Supreme Commander Fork of Talents va être publié d'une manière assez rapide. Parce que vous avez que 6 missions différentes, mais vous pouvez faire une fois avec chacune des races, excepté Séraphine, la nouvelle race. Logique aussi, de la campagne. Donc de ce fait là, j'essaie de tout. En fait, je publie une vidéo par semaine. J'essaie de publier la même mission entièrement la même semaine parce que. À regarder, c'est agréable, à jouer, c'est agréable, mais à refaire. Déjà toute une campagne, puis après une nouvelle fois, même, puis après encore une fois. C'est chiant. Moi je vous le dis, généralement je fais une ou deux fois la campagne et après j'ai la troisième, c'est vraiment les Cibran qui sautent parce que les Ion j'adore, les AFT j'adore et les Cibran. C'est les Cibran quoi. Pas grave, c'est qu'un tube en sorpite.
Mais non, moi, citadelle est bonne. Même pas. Donc voilà, c'est un bon jeu, vous verrez toute l'histoire, mais pas à hauteur du premier. Là, maintenant, je peux me permettre de couper l'incendie. Donc voilà, c'est... Autant Supreme Commander Forgot Alliance, certes, ta campagne était à reprocher, des erreurs de trad, tout ça, y a plein de problèmes dans le jeu. Mais le jeu avait beaucoup de potentiel et en multi était très agréable. Autant Supreme Commander 2, j'ai fait plein de parties multi déjà. Qu'est-ce que je me suis fait? Bip, voilà. Les parties c'est simple, vous rushez. Les parties c'était simple. Vous démerdez rapidement d'avoir rapidement quelque chose et vous faisiez un rush. Soit naval sur les maps navales, soit terrestre sur les maps terrestres. Parfait. Alors, je suis à lâcheux sur cuirassé parce que j'ai peur de pas pénétrer les Zumo, quand même tier 9. Je suis pas sûr d'avoir la puissance de feu pour pénétrer la coque. Donc c'est pour ça que j'étais à lâcheux. Donc voilà, je... Déception, déception et redéception. Oh, Fletcher, il fait chier. Je déteste ce cuirassé. Se destroyer. Je peux largement me sortir hein, pour ceux qui se posent la question. C'est pas un avion de scout, je sais, mais les avions donnent toujours peuvent toujours donner un visuel. Je suis hors de portée des torpilles, mais portée donc 1000 que 10 km, c'est à dire 1000 mais 10 km. Mais c'est pour le Fletcher, en fonction de ce qu'il fait, il y a peut-être une torpille qui va le toucher s'il fait une erreur. Est-ce qu'il y a un... La magie... Je vais essayer de tourner... Je pourrais pas, on se percutera. C'est ma faute là, j'ai coupé son trajet, c'est ma faute. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre de ma Supreme Commander Contenu Age of Empire 2. Je vais peut-être le mettre en pause un moment, c'est possible. Mais bon, ça on avisera bien au moment venu. Mettre en pause pour la campagne de l'autre jeu, à moins que. De Battlefield Gothic Armada, à moins que je finisse Supreme Commander Forgot Alliance assez rapidement et que je vous fasse Battlefield Gothic Armada un mois après sa sortie. Ça me permettrait au moins de m'être entraîné un peu sur la campagne, tout ça. Ce qui peut être une bonne idée en soi. Ce qui est fortement envisageable, d'ailleurs. Age of Empire 2... vous pouvez pas trop mal. Je suis plutôt satisfait de ça. Je compte vous faire après, maintenant, après Barberousse. On aura terminé l'édition de la campagne The Age of King. Donc, Age of Empire 2 standard, pour ceux qui le connaissent de l'époque. On s'attaquera à l'édition The Conqueror. Puis après, The Forgotten et The African, je sais plus, African Kingdom, qui sont eux deux DLC qui sont apparus avec Age of Empire 2 HD. Et que je vous présenterai carrément. À côté de ça, il y a un tournoi de la LVA qui est prévu. Enfin, tournoi de la LVA, un tournoi. Pas de la LVA uniquement, c'est un tournoi qui a été organisé par Selkares, pas The Selkares, Selkares. Un tournoi sur Wargame Red Dragon. Je ne participerai pas au tournoi, par contre je compte vous filmer tout le tournoi. Phase de poule plus... Sacré erreur Fubukaki là. Fubuki. Ah c'est encore ma faute, je fais jamais attention. Moi il me faut beaucoup moi, il me faut pouvoir manœuvrer tranquillement et ces problèmes là je peux pas manœuvrer comme je veux.
Est-ce qu'on va perdre? On a un petit avantage parce que... Taratron, c'est qui lui? D'accord. Oh mince, Hiroshiga. J'ai oublié de... Ça se voyait en plus qu'elle est sortie là, j'aurais dû anticiper. J'aurais dû anticiper qu'une salve de torpille. Surtout que j'ai vu sur un mini-carte et j'ai hésité à... Là par contre je me prends un torpille et... J'ai fait une erreur. L'erreur je la paye. Donc le tournoi de la LVA, là par contre je mettrai peut-être en pause toutes mes vidéos. Enfin le tournoi de Sec Caresse. Donc dans ce cas je mettrai en pause tous mes Wolfou pour filmer ça. Parce qu'il y aura énormément... Il y a minimum déjà 12 inscrits. Donc trois groupes de... C'est des groupes de 4. Donc les poules sont en match aller uniquement. Je crois pas qu'il y ait de match retour. Après ça sera tout en BO3. Peut-être BO5 à finale, mais je crois que c'est BO3 à finale. Donc faut filmer tout ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc il se peut qu'à un moment qu'il y ait une petite pause sur les vidéos et que ça sera uniquement du jeu de stratégie. Pour ceux qui... Je vous rappellerai les règles, mais évidemment... avant le début de la vidéo pour savoir un peu qu'est-ce qui vous attend. Et tous les decks sont publics, donc les decks qu'ont utilisé personne, je mettrai leur comment s'appelle le code dans le descriptif de mes vidéos, comme ça pour ceux qui veulent regarder à quoi il ressemble leur deck, vous pourrez regarder. Parce que tout le monde doit publier leur deck en avance. On voit. Voilà ce qui est prévu en tout cas sur dans les temps à venir. Les 350 abonnés arrivent, je vais peut-être faire une autre vidéo, un peu d'information à ce moment-là. Pour l'instant, vu que ça monte pas au cours à un rythme très élevé, je peux me permettre de faire une vidéo comme ça ou... J'aviserai bien à ce moment-là si j'ai beaucoup de vidéos ou pas à faire ou si j'ai une information à faire passer. Quoi qu'en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie, je vous dis à une prochaine fois, d'ici là, portez-vous bien, et à ciao tout le monde, on commence à regarder cette vidéo en ma compagnie.